Bonjour tout le monde, c'est Caribou Kinetic qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Chrono Cross live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah! On est au fond d'un puits. Ça veut dire que le manoir Ophid est juste au-dessus de nous. Et si tu veux mon avis, on fera mieux d'attendre ici jusqu'à la tombée de la nuit. Cinématique. Espèce d'oiseau volant. Ou dragon plutôt.
Qui êtes-vous? Ah oui, vous devez être les nouveaux soigneurs dont on m'a parlé. Tout à fait. Parfait. Vous tombez à pic. Mon dos me fait souffrir ces temps-ci, alors je ne peux pas nourrir les dragons. J'aimerais que vous le fassiez à ma place. Vous avez la clé du manoir? Oui, bien sûr, je vous la donnerai si vous faites du bon travail. Faut accepter, Garibou. Voulez-vous les nourrir? Oui. Il suffit de les nourrir jusqu'à ce qu'ils n'aient plus faim. Le cadeau que je vous offrirai dépendra du nombre de fois que vous nourrissez les dragons. Vraiment, je vous déconseille. Personne n'a jamais réussi un tel exploit. J'ai bien entendu parler d'une tentative devenue légendaire. Cependant, cette personne a nourri les dragons 99 fois avant de succomber à une crise cardiaque. Vous voulez quand même essayer? Évidemment. Très bien, dans ce cas, je vous laisse faire. Je vais compter. Arrêtez immédiatement, vous énervez les dragons. Ce n'est pas la peine de vous obstiner, à mon avis, les dragons ne sont pas faits pour vous. Je comprenais même pas ce qu'il y avait à faire. Revenez nourrir les dragons à l'occasion. Oui. 30 fois? Je vais compter. Oh! J'étais proche. Thank you.
Bon. C'est bien, bel ouvrage. Vous trouverez la clé dans le placard. Prenez-la. Voici le cadeau que je vous ai promis. Cuirasse de cuir. Kéribou, la clé du manoir. Merci. Allez mon petit rock and roll, vas-y.
s'ouvre pas. Ça coûtait rien d'essayer. Cette porte n'a pas de serrure. C'est une fausse porte ou quoi? Il doit y avoir un moyen de l'ouvrir. Il y a quelque chose devant. Il y a un bouton avec les chiffres. Je vais tourner. Comment je peux savoir, moi, là? Les intrus, comment avez-vous franchi la défense? Je n'arrive pas à croire que vous soyez tombé dans un piège pareil. Qu'est-ce qu'on fait avec ces idiots? Hé! Hey! Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Vous êtes vraiment des nazes, les usards. Tu me cherches, là? Calme-toi. Vous avez peur de nous ou quoi, poule mouillée? Je sens que ça va être intéressant. Donne-leur une bonne leçon. Ouvre. Et te laisse pas avoir par ce qu'elle dit. Venez les mauviettes. Sortez maintenant. On va vous apprendre la vie. On pourrait peut-être se déguiser avec ses uniformes. Bonne idée. Alors, lequel de vous deux choisit ma seule chance? Je ne suis pas en train de rêvasser. Il faut une autorisation pour entrer. Maintenant, retournez à vos postes. Tu l'as...
Encore déclenché? Combien de fois il va encore falloir que je te dise? Et vers la droite et vers la gauche. Compris? Tu aurais mieux de donner le terme d'oublier. Le signal des morts dans le manoir depuis la haute dégénération est là, alors loin de moi l'idée de lui manquer de respect, mais ce type me dit rien. Qu'est-ce qui leur prend autant de temps? Mon repas devrait déjà arriver. Un émissaire de Palpouri est venu ici s'acquérir de la flamme gelée. Mais j'ai comme l'impression qu'il sait déjà tout. Je me demande s'il n'est pas un espion de Palpouri dans le même profil. Ouais, pas s'occuper, active-toi, le commis. Oui, chef. Ben, j'aurais dû choisir un boulot plus tranquille, je n'ai pas le temps d'enquêter. Non, rien. Couvert. Jeune Glenn est le frère de Dario, un des quatre Devas des Hussards. Une grande expédition va bientôt avoir lieu, la plupart des Hussards y participeront. Voilà. Voilà quoi? Ça fait 3 ans que je commande, Dario est décédé, le commandant Dario. Dame Ophélie se morfond depuis, c'est comme si toute la vie s'était éteinte dans ce manoir. Le général Ophide ne ment pas, mais je pense qu'il souffle aussi. Il dort sans arrêt, il parle quand il rêve. Vous avez vu cette machine à l'extérieur? Dame Lucia a rapporté des pièces cassées du fort Draconia. Elle s'en sert pour reconstruire cette chose. Ces pièces sont en fait des armes d'une civilisation super avancée qui a disparu. Il faut être un génie pour pouvoir les utiliser. La salle du trésor. Gagie. Ouais, pardon. Merci.
Allez, on fait une belle attaque. Combiné, les amis. C'est de la régularité. Chut, pas de bruit. Votre 5 manches. De se traiter. Non. Sauf c'est verrouillé. Ouais, sauvegarder au cas où.
Entrée interdite. Oh, ça semblait pas être là. Qu'est-ce que vous attendez? Donnez-moi un mot de passe. C'est exact, le mot de passe c'est silence. Vous pouvez entrer. C'est génial, mais la flamme gelée est pas ici. C'est pas grave, prenons ce qu'il y a. Allez, faut détruire le vase.
Waouh, un génie. Il y a un trésor au mur. C'est sûrement un piège. Il ne veut même pas être touché. Mes genoux, prends-le. Je te l'avais dit. C'est rien, l'important, c'est qu'on a un trésor. Oh. Ah si, Hansen, vous n'êtes pas des vrais hussards. En fait, on est juste... Sortez de là. Qui êtes-vous? Et pourquoi vous nous aidez? Qui a parlé de vous aider? Je suis la grande savante du manoir Ophid. Vous avez me servir de cobaye. Attrapez-les. Il est drôle, hein? Wunderbar, vous avez surpassé toutes mes attentes en éliminant les bulbes. Veuillez partir maintenant.
Bonjour. Je rêve de voguer sur l'océan avec des énormes bateaux un jour. Je dois saisir les combats pour les étudier plus tard. Occupé, je vous laisse partir. Oh, Pipo, c'est un monstre évolutif. Il change de forme quand il combat. Il est trop tôt pour le tester, alors je l'ai mis en cage. Ne le libérez surtout pas. Pourriez ouvrir ma cage discrètement? Merci, je m'en ferai plus tard. La revoyure. Attendez. Vous m'intéressez tous vraiment beaucoup. Je ne peux pas partir maintenant, mais revenez quand vous aurez besoin de Manhef. Eh bien, je suis prêt à vous aider. J'attendrai. Voudrais pouvoir pousser ça. Attention au piège, ne touchez à rien. Non, regarde le bouclier, c'est en mur.
Non. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qui est ce dénommé Caribou? Ah, vous voulez parler de ce morpion? Il a reçu pour mission de faire revenir le fantôme de ce gamin mort il y a 10 ans. Malheureusement, on a eu de la compagnie et il s'est enfui. Il m'a paru beaucoup trop humain pour un fantôme. Ah, je sais pas ce que notre visiteur de Palpori lui veut. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qui êtes-vous? Quoi, vous ne savez pas qui je suis? Vous débarquez de votre campagne, quoi? Bon, écoutez-moi bien parce que je ne répéterai pas. Je suis un des 4 Devas et je suis sous les ordres du général Opide, commandant des hussards d'Acacia. Je m'appelle Karsh. Qui est le général Opide? Général Opide est la tête du clan d'Opide. Le clan du gouverne ces îles depuis des générations. Mais ça ne s'arrête pas là. Lors de sa nomination à la tête des hussards d'Acacia sur le continent principal, il a fait grande impression et a été promu général. Depuis, il a quitté l'armée et ne sert désormais le seigneur del Nino. Parlez-moi du manoir d'Ophide. Ce manoir a été construit il y a des 100 ans par des ancêtres du général quand la colonisation de l'archipel del Nido a commencé. C'est un lieu qui inspire le respect. Qu'est-ce que la flamme gelée? Ah, c'est un secret le plus important dans la contrée nordique. Il y a déjà plusieurs générations que ces rumeurs courent sous son existence. D'après la légende, il est capable d'aider la vie de se développer, voire même de modifier le cours de l'histoire.
Personne ne sait si c'est vrai. Ba-da-ba-ba. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qui êtes-vous? Je suis Zoa. Je suis un des quatre valeureux des vastes des hussards d'Acacia. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Hé, hey, Gwen! Qui sont les quatre des vastes? J'ai dit quatre, mais nous ne sommes plus que trois. Car chaque côté, Marcy, dans la bibliothèque et moi. Notre chef Dario est mort dans un accident il y a 3 ans. Ah oui, j'ai jamais joué à ce jeu. Et tu dis quoi, qu'est-ce qu'il y a? Parlez-moi de Dario. Il avait hérité d'Eilenzer, l'épée sacrée, et était l'adjoint fidèle du général Lofid. Fiancé à la fille de dernière dame d'Orphélie, il devait succomber au général à la tête du clan Lofid. Malheureusement, il a péri honorablement lors d'une mission sur l'île de Danae, il y a 3 ans. Karch était aussi de cette mission, mais il refuse d'en parler. Dario et Karch se connaissent depuis l'enfance et se lançaient sans cesse dans des défis. Dario est décédé peu après ses fiançailles avec Dame Orphélie. De nombreuses rumeurs entourent sa mort. Bon. Je suis le seul à pouvoir l'ouvrir. Ok. Puis, qu'est-ce que tu fais de bon aujourd'hui? Bloque le passage. Pogné où ce code là?
pour une autorisation spéciale. C'est quoi le code? C'est silence. Quoi? Ah, shit, t'avais pas, je parle. Pas de soucis, je vais aller dîner bientôt. Vous voulez continuer le jeu plus tard ou après mon dîner ou une autre fois? Ta-da-da-da. L'acte. J'aurais peut-être pas dû forcer. Yes! Ouf.
reviens plus tard. Bon, je reviens plus tard. J'étais en train de dire, je vais aller dîner bientôt. Tu voulais-tu faire du. L'autre jeu au courant de la journée? Monsieur, là, je fais une heure par jour. Là. Des fois deux. Aujourd'hui, j'ai plusieurs jeux à jouer. J'en ai un, deux, trois, quatre environ. Cinq. C'est lui qui bloque la porte. Je te texterai, j'ai presque fini de dîner, puis je te demanderai voir si tu veux. Si t'es là, je jouerai à l'autre. Si t'es pas là, je jouerai à autre chose. Bon, c'est réglé. Ta-da-da-da. Pas sûr qu'est-ce qu'est le code, puis où, à quelle place attraper le code. Ouais, je vais aller bientôt, mais je vais essayer de me. Essayer de voir où je me dirige là-dedans. Là.
parle après. Je suis le serveur de code, moi. Qui êtes-vous? Vous savez déjà répondre à la question. Comment ça a été la boulangerie? Soulant dans quel sens? Donc c'était tout pour l'aventure du jeu Chrono Cross live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!